Eh ben merci Enzo, c'est gentil. Moi qui me disais que je pouvais aller là-bas. Donc il y a encore beaucoup de joyaux à récupérer ici et dans les différents tours qu'on a vus sur le passage. Avec à nouveau mes potes les vautours. Comme si que je n'avais pas déjà assez mangé comme ça. Donc c'est un niveau, donc voilà. Comme dans niveau 1, il y a une délimitation de l'environnement. Je peux récupérer ce joyau, ça m'arrangerait. Voilà. On lui souffle dans les plumes, à votre tour. Voilà. Hihi. Allez, vas-y. Non. Ah. C'est Buck. Buck, à votre tour, viens. Voilà. Petite référence. Ah bah, il y en avait encore un. Petite référence Oscar & Co, le dessin animé. Donc c'était un espèce de lézard qui habite dans le désert et qui doit trouver de l'eau à manger, etc. C'est un petit dessin animé tranquille. Et là j'ai sauvé Marco. Tu as atteint le point le plus élevé de Clifftown. Tu peux te rendre n'importe où à partir d'ici. Si j'étais toi, je prendrais ce tourbillon là. Merci. Donc il me dit que je peux aller n'importe où. Un niveau, ouais, mais sauf que là je n'ai pas confiance. Hop, on va d'abord aller ici. Mais ce qui est sympa, c'est que maintenant que je suis allé en haut, et ben j'ai un tourbillon qui m'aide à remonter directement, donc ça m'évite de faire tout un détour. Donc vous allez voir maintenant. Je vais d'abord aller récupérer tous les joyaux avant d'aller là-bas. Parce qu'il y a un. C'est pas non plus un secret, parce que bon, il faut quand même les trouver. Et c'est quand même, on en a besoin quand même. Et sachez que à l'endroit où est-ce que je suis venu, il y a... On peut passer derrière. Vous avez vu que j'avais ramassé des joyaux de l'autre côté, regardez bien. On passe par ici, et... Tada ! Voilà, il y a des joyaux à récupérer, j'ai failli tomber dans le vide. Ah bah, à 25 en plus. J'adore les 25. Voilà, c'est un peu l'équivalent des 500 de... des billets de 500 ici. Ah, je sais, c'est une comparaison tout à fait pourrie. Parce que bon, les billets de 500, on n'en voit pas non plus. Hein. Et que là, les joyaux de 25, eh ben, on en voit. Il doit y avoir 400, 400 joyaux, voilà. Je pensais qu'il y en avait 400, mais non, il y en a 500 en fait, regardons bien le compteur. Voilà, 400 joyaux. C'est génial. Donc, bon, je regarde. Je pensais qu'il y avait un tourbillon qui me ramenait jusqu'en haut. Il me semblait qu'il y en avait un. Ah, il est là, voilà. Je suis vraiment trop juste, ouais, je suis trop juste, donc j'ai dû couper quelque part, donc je vais passer à un autre niveau afin de vraiment afin que la vidéo cette vidéo aussi fasse plus de un quart d'heure, enfin, ne fasse pas plus d'un quart d'heure, pardon. Donc j'espère que le niveau se finira rapidement, mais de toute façon j'ai le temps, donc je vais faire le niveau le niveau de glace, encore faut-il que je le retrouve. Voilà. Caverne de glace. J'ai maintenant 1700 joyaux. Et tada, voilà. Welcome to the glass. Voilà. Donc il y a encore 400 joyaux à récupérer. Là c'est des ennemis forcément de glace, donc là j'ai des ennemis de glace, des ennemis bien emmitouflés auxquels j'aurai droit. Donc mon souffle les tuera très facilement ou pratiquement tous seront morts si je les enflamme. Ah non, il m'a lancé une boule de neige, non. Non, mince. Ah bah, il y a déjà un dragon et des chauves-souris également. Donc là, le dragon s'appelle Ulrich. Un petit conseil. Attends d'être aussi grand que moi
avant de foncer sur des ennemis aussi gros. Merci. Merci mon ami Ulrich. Alors, donc, je disais qu'il y avait 400 joyeux à récupérer ici, il y a plusieurs dragons. Donc là, oui. Donc là, il y a une petite astuce dans ce niveau. Donc on va le voir, je vous en parlerai quand j'y arriverai. Donc il y a une petite astuce et il y a également un endroit caché. Donc où il y a un endroit difficile d'accès. Il y a 3 vies à récupérer, donc je n'irai pas chercher ces 3 vies. Ça, c'est clair et net. Non, il va écraser, il est content en plus. Il est content en plus, non. Alors, j'ai sauvé Todor. Spiro, certains gnorks portent des armures. Et dans la grotte de glace, ces armures peuvent les faire très facilement glisser. Ouais. Merci du conseil, je vais leur apprendre le ski de fond. Donc la petite astuce, vous voyez des joyaux au-dessus ici, là. Donc vous avez simplement à frapper sur les lampadaires pour les faire tomber. C'est aussi simple que ça, il ne faut pas chercher midi à 14h. C'est vraiment quelque chose d'assez simple. Mais évidemment, faut pas taper à côté ou... Non, bah vous serez mort. Donc alors, je passe par ici. Ah. Personne. Ah oui c'est vrai, je ne l'ai pas. Donc là, vous voyez, j'essaye de souffler cette chauve-souris mais ça ne veut pas. S'il te plaît, s'il te plaît. Ah là 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 là. Voilà. Enfin quand même, il est temps. Il est temps. Hein. Boum, voilà. Donc là, c'est des nouveaux ennemis. Mais je ne peux pas les vaincre en tout temps, donc je fais la super charge. J'allais dire la super charge. Ah, hop, salut mon vieux. Donc il faut simplement que je les pousse dans le vide. Grattait sous les bras. Il se grattait sous les bras ce New York. Bon, ok. Ah, il y a un nouveau dragon qui s'appelle Andor, comme le pays. Merci de m'avoir libéré. Merci de m'avoir libéré. Alors. Donc vous voyez que j'avance pas à pas vers les joyaux. Ah, encore un ami qui veut me lancer des boules de neige. Non, c'est pas bien lancer des boules de neige, c'est dangereux. Ouais, apparemment lancer des boules de neige c'est dangereux. Attention là, j'ai toujours peur de tomber dans le vide. Ce serait dommage. Alors, hop, encore un, voilà. Voilà. Yeah. Merci de m'avoir libéré. Putain, vous êtes pas très causants les mecs. Et puis bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les dragons qu'on voit dans le jeu sont des mecs. Donc c'est assez bizarre. Je pense que Insomniac Games doit être un peu sexiste sur les bords, enfin tout du moins sur le 1. Hein. Parce que c'est vrai, on ne voit pas de dragon féminin, ni même de personnages féminins hein, d'ailleurs. Donc il y a dans le 2 où on voit... où on commence à voir des personnes féminins. Ah, donc là vous avez vu... il y avait des coquilles à tête de dragon, donc des vies. Il y en avait 3. J'aime pas ça. Donc je ne peux les récupérer par je peux les récupérer mais je ne vais pas le faire tout simplement parce que je ne les ai jamais récupérés quand je et que je ne sais pas comment le faire.
donc je n'irai pas les chercher. Allez, ah, salut. Ah, 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 au revoir. Il est tombé dans je ne sais pas ce que c'est. J'avoue, je ne sais pas ce que... Ah, ah bah, ah bah tiens, j'ai eu affaire à Martin Fourcade, bon, qui a apparemment laissé tomber le biathlon pour le skitron. Martin Fourcade, c'est un Français champion de biathlon. C'est un très bon Français, il est vraiment très très bon. Hop, encore un, tiens. Encore un, bon bah ça c'était son pote Ole Einar Bjørndalen. Très grand Ole Einar Bjørndalen d'ailleurs. Ah bah tiens, on va nous faire toute la panoplie, maintenant je devais pas en citer un autre. Donc j'aime bien les sports mécaniques, mais également les sports d'hiver. Notamment tout ce qui est descente, tout ce qui est descente, biathlon, ce qu'ils font, sauvasti, là j'avoue, j'adore. Voir ces types s'envoler à 200-230 mètres, record à 246 mètres 50 d'ailleurs. Nous, notre donc détenu par un Norvégien. Donc là, ah bah tiens, c'est Ragnar, référence à Ragnarok sans doute. Bon travail, Spirou. Certains dragons pensaient que tu n'étais pas encore prêt, mais je savais qu'ils se trompaient. Bien sûr que je suis prêt. Mais pourquoi? Donc voilà, 31ème dragon sauvé. Donc 5 sur 5. Il me reste encore quelques joyeux à récupérer. Donc je disais que le record était détenu par un Norvégien. Donc à 246 mètres 50, c'était... j'ai perdu son nom. Ah non, putain, en plus il est bon, quoi. Bon, il se battait avec Gregor Sternzamer pour ça. Enfin, il est très bon, il est juste bon, justement sur le vol à ski. Enfin bref. Et notre record à nous est détenu par un Français, forcément. Forcément. Qui... Ah, ce n'est pas... Ah, c'est à 215 mètres. Donc notre record à nous est de 215 mètres. Donc vous voyez qu'il y a quand même une grosse marge de progression. Mais bon, voilà, ça fait quelques années où les Français sont revenus quand même en forme. Donc là-bas, il y a la clé, voilà, c'est ce que je cherchais. La clé, donc en fait, il faut que je passe, ah mince, de l'autre côté. Donc voilà, par ici, je finirai bien par tomber sur l'endroit où est-ce qu'il y a la clé, forcément. On essaye de penser comme on peut. Hein. Oui, ça m'arrive de penser, non mais... Alors... Ah oui, voilà, ça doit être par là, je pense. Je n'ai pas dû aller jusqu'au bout, un truc dans le genre. Ah si, je suis passé par là, mais je n'ai pas regardé aux alentours. Regardons sur la gauche. Ouais, non. Ah non, j'ai pas la clé. Voilà, juste là, voilà. En fait, c'était aussi simple que ça. Bon, voilà. Je récupère 2 joyaux et la clé. Bon, j'espère qu'il y a 3 joyaux dans la clé. Alors, non, non. Alors, vas-y, mon Spirou. N'empêche, c'est assez bien de voir que Spirou a vraiment très évolué entre le premier et le quatrième volet, donc le premier de la PS2. Il a vraiment bien évolué, donc là il ne sait pas faire grand chose à part souffler, sauter, etc. Voler légèrement. Mais dans le 2, il apprend à grimper des corniches, nager, plonger, etc. Donc c'est des aptitudes qu'il va garder dans le 3. Et dans le 3, par contre, là, on aura une nouvelle nouveauté, c'est de pouvoir contrôler beaucoup de personnages différents, dont le fameux Sergent Bird. C'est l'un de mes... C'est mon personnage préféré. Mon Dieu, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance. Ah non, oh, j'étais à la fin. Non. J'étais à la fin. C'est pas possible. C'est une mort débile. Ah non. Bon, c'est pas grave. Après tout, je ne suis pas mort souvent, donc je peux me le permettre. Donc, retour à la maison, 400 joyaux, je vais regarder l'heure. Ah bah ça va, j'ai encore un peu de temps, donc je vais y aller, je vais me mettre dans le niveau qui arrive. Donc je crois que le niveau suivant, ce sera le niveau du boss, Dr. Shemp. Dr. Shemp. Donc, je vous laisse ici, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.